Bien, bonjour. Bonjour. Puisque je suis là, je vais vous présenter d'abord Chantal Robillard, comme on dit au Neurodame, qui est anthologiste, et puis Yann Quérault, et deux anthologistes avec qui j'ai travaillé moi-même en tant que novelliste. Vas-y, Chantal. Oui, donc bonjour à tous, bonjour Hélène, bonjour Sybille, bonjour Yann. Et bonjour Pierre qui va nous rejoindre. Voilà, je suis anthologiste. J'ai commencé à publier des anthologies chez Rivière Blanche, les éditions Rivière Blanche. Ensuite, j'en ai fait chez Naughty Ship. Et par ailleurs, j'ai participé en tant que nouvelliste, parce que je suis essentiellement nouvelliste, à plusieurs anthologies chez Rivière Blanche, au Vagabond du Rêve, dirigé par Hélène Marchetto, et chez Naughty Ship. Voilà, pour faire simple. Yeah. Eh bien, moi au départ, je suis plutôt romancier en fait, mais je me suis mis aux nouvelles il y a une douzaine d'années et ma première nouvelle a été publiée d'ailleurs au Vagabond du Rêve. Et après, je suis devenu anthologiste, ce qui m'a bien plu puisque j'ai notamment coordonné 6 anthologies dont on pourra parler aux éditions Arcueris. Et j'ai participé aussi à des anthologies chez différents éditeurs comme Rivière Blanche, comme Nestim Knen, ou différentes revues. Et puis, j'ai aussi coordonné des numéros de revues, justement. Notamment, on peut en parler avec Pierre, un numéro de Galaxy sur l'environnement et un numéro de Géant Rouge. Donc, coordination de nouvelles à différents niveaux. Et toi, Hélène ? Moi, je suis venue aux anthologies, j'allais dire, par gageure. Parce que j'étais tannée par un groupe pour faire des anthologies. Je leur ai dit que je n'en ferais jamais et que si un jour j'en faisais, ça serait sur le thème des bourreaux. Et ma première anthologie a donc été pour Parchemin et Traverse, les bourreaux. Et après, j'ai eu l'occasion d'en faire. D'autres m'en ont demandé. J'en ai pris au vol quand la personne ne pouvait pas, chez Rivière Blanche, par exemple, pour Civilisation, ou chez Arcueil, qui m'a demandé de publier, enfin, de diriger une anthologie. Mais je pense que c'est un exercice intéressant. Je pense que ce qui serait intéressant de savoir, peut-être pour les gens qui nous regardent, c'est de savoir ce que l'on privilégie. Puisque beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens proposent des nouvelles pour les anthologies, de savoir ce qu'on privilégie chacun. Alors, si je peux répondre, moi, je choisis mes thèmes et donc je choisis les écrivains que je mets dans mes anthologies. Des gens dont je connais déjà la plume, dont je sais que ça sera a priori quelque chose de très bon, ce qui n'empêche pas d'avoir une partie, disons un tiers à peu près, de nouveaux que on me propose, hein, de nouveaux auteurs que je ne connaissais pas, que d'autres auteurs de mes anthologies proposent, et c'est toujours très très bien. C'est vraiment une question de pratique parce que j'ai pas le temps d'examiner 100 textes voire plus. J'ai d'autres choses en train par ailleurs. Donc, en prenant des gens dont je connais la plume, je peux tenir des délais relativement courts, c'est-à-dire en gros un an. Voilà. Oui. Alors, chez Arcueris, on a une politique assez différente. Au contraire, c'est de faire des appels. Donc, appels via le site, via la page Facebook et puis via tous les sites relais qui publient des appels à texte. Et de recevoir. Alors, avec des contraintes, bien sûr, généralement, c'est 50 000 signes, espace compris. Et le but, mais ça peut être bien sûr moins, hein, le but est de réunir une quinzaine de nouvelles pour chaque anthologie,
sachant que le but autour d'un thème, alors les thèmes peuvent être très très différents. Moi, je peux parler par exemple de celle que j'ai dirigée, puisque ça peut être en temps de Covid, très la première anthologie, c'était les maladies du futur. Donc c'est une anthologie pour laquelle j'ai reçu 150 textes. Et il a fallu en sélectionner un sur 10, en fait. Et oui, oui. Et alors après, d'autres, par exemple, la dernière en date qui vient juste de sortir, les journalistes du futur et d'ailleurs, donc à peu près, pareil, 120 textes. Et le but est d'essayer d'avoir un panorama, un éventail maximum de différentes approches, alors des approches qui peuvent être très hard SF, des approches qui peuvent être plus poétiques ou voire un peu policières, pour donner vraiment une sorte de panorama le plus large de la richesse du thème, en ayant aussi le souci de la longueur. Puisque une anthologie, alors même si les lecteurs ne le lisent pas dans l'ordre que l'anthologiste décide, après le lecteur est libre, mais quand même l'anthologie est une conception d'ensemble où il faut avoir des respirations, donc avoir par exemple des textes courts entre des textes longs, donc il y a toute une alchimie à créer autour d'une anthologie. J'avoue que c'est un petit peu aussi la position que je prends. Pour les dernières anthologies qui ont été faites pour Nice-Fiction, c'était donc le thème du festival qui avait été choisi comme thème de l'anthologie. Mais moi aussi, j'aime qu'il y ait une grande variété de textes. Ceci dit, je reçois aussi un peu plus d'une centaine en général. Et j'essaye moi aussi de faire le maximum de variété possible pour que, j'allais dire, que tout le monde y trouve son plaisir. Mais je suis obligée de constater que très souvent, j'ai des auteurs que j'ai déjà publiés qui reviennent, parce que bon, c'est toujours pareil, les auteurs qui sont bons, ils restent bons, et on ne va pas les éliminer sous prétexte. Mais finalement, je m'aperçois qu'en général, j'ai toujours à peu près un bon tiers d'auteurs qui sont des gens ou carrément nouveaux, ou inconnu de moi, ce qui est moins. Ce qui est moins. Mais je fais très, très attention au style, à l'histoire, bien sûr, mais au style, qui me paraît vraiment très important pour donner une unité, puisque finalement, c'est l'anthologiste qui donne l'unité de ton, de l'ensemble. Oui. Et je fais très attention au style, parce que pour moi, c'est quelque chose qui compte. Alors moi, ce que je fais quand je peux, ça dépend des éditeurs et ils sont pas tous partants, quand je peux, j'essaye d'introduire un ou des illustrateurs ou illustratrices au milieu des nouvelles. Soit qui font un dessin en regard par rapport à une nouvelle précise, hein, derrière moi, là, si vous voyez Dimension Moscou, j'ai deux illustratrices qui ont travailler, à chaque fois, je leur avais donné les textes. Ça rallonge du temps par rapport au temps de préparation de l'anthologie, mais c'est intéressant de voir comment un illustrateur va ressentir lui-même une nouvelle et la porter au public. Alors évidemment, c'est du noir et blanc, donc il faut des illustrateurs ou illustratrices qui soient à l'aise avec le dessin, parce que c'est quand même essentiellement du dessin, le noir et blanc, mais je trouve que ça apporte un petit quelque chose, et je travaille aussi, je fais intervenir des poètes, ou des gens me donnent d'ailleurs quelquefois spontanément des poèmes sur le sujet, évidemment. Donc je trouve que c'est aussi une respiration intéressante, que voilà, qu'il n'y ait pas que des textes longs, des textes tristes, des textes, ou alors que des textes drôles. Bon, c'est pas non plus voilà, on fait pas un almanach Vermeau, hein. Voilà, le travail de l'anthologie, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est de panacher tout ça, les styles, la façon d'aborder le sujet ou de s'en éloigner. La façon d'écrire, voilà, il y a comme ça un ressenti qui est
qui est propre à l'ontologiste quelque part, et qui fait qu'une ontologie, c'est d'abord nous, même si c'est les autres qui écrivent, si on fait travailler les autres. Et on le voit aussi quand on est juste auteur dans une ontologie. On voit le travail, d'autant plus le travail de l'ontologiste qui nous a dirigés. On le voit après coup, évidemment, mais c'est intéressant de comparer les deux, enfin d'être les deux. Moi, je pense qu'on peut pas être un bon ontologiste si soi-même on n'écrit pas et notamment des nouvelles. Hein, et bien, si possible. Ouais. C'est vrai qu'avoir été justement dans un rapport avec des ontologistes permet aussi de penser sa propre pratique. C'est ça. De la direction d'un recueil et c'est vraiment effectivement indispensable d'être un auteur, d'autant que une des particularités, alors ça dépend bien sûr, quand on fait appel à des personnes qu'on connaît et dont à qui on fait confiance pour l'écriture, on va avoir peu à intervenir. Et donc moi, ça dépend quand même, mais bon. Oui. Mais globalement. Oui, aussi, par exemple, pour certaines anthologies Aquarius où on avait des textes sur des thèmes forts, mais par des auteurs qui pouvaient être relativement débutants. Et là, il peut y avoir aussi un travail qui est intéressant, parfois un peu ingrat, mais qui aussi fait partie du rôle de l'ontologiste, d'aider les jeunes auteurs à finaliser et à améliorer soit le style, soit la cohérence d'une intrigue pour rendre vraiment un effet final correspondant au potentiel du texte. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ce qu'on cherche en général, parce que j'ai pris quelquefois des textes dont je reconnais qu'ils m'ont demandé beaucoup de travail, parce que l'histoire était intéressante, je sentais qu'il y avait un gros potentiel, mais c'était soit des gens trop jeunes, soit qui n'avaient pas l'habitude de ce genre de texte, et effectivement qui avaient besoin de grosses corrections. Parce que je trouve que c'est une de nos difficultés en tant qu'anthologiste, de pouvoir corriger un texte pour le rendre meilleur, pour le parfaire, mais sans dénaturer l'approche de l'auteur. Je trouve que c'est la grosse difficulté de ne pas dénaturer le style de l'auteur. Si on le garde, si on a décidé de le garder, il faut qu'on lui fasse donner le meilleur à lui-même. Enfin, je trouve que c'est une des difficultés. Oui. Ça, c'est très juste, c'est d'arriver à presque se mettre à la place de l'auteur pour respecter son style, son intention, et puis un dialogue, puisque généralement, ça se passe dans des va-et-vient, justement, avec l'auteur pour proposer, dire, bon, ça, le dialogue, il sonne faux, ou là, il y a un problème de cohérence, il faudrait réarranger. Je trouve que c'est important. Personnellement, je voudrais pouvoir obtenir, quand je corrige un texte, la même réflexion que j'ai eue pour quelqu'un qui m'a corrigé un texte. Quand ça a été corrigé, je me suis dit, mais c'est moi qui aurais dû l'écrire, c'est exactement ce que j'aurais dû écrire. Et je trouve que c'est la partie à la fois la plus intéressante, mais elle est tardive. Oui. C'est ingrat, on va dire, par moment. C'est pas ingrat, parce qu'on obtient de très bons résultats, enfin tout au moins les résultats les plus proches de ce qu'on veut. Mais c'est enrichissant, pardon. Oui. Je trouve que c'est très enrichissant. Ben, moi, je trouve que même dans certains cas, alors ça m'est arrivé une seule fois pour l'instant, mais ça permet d'enrichir notre propre écriture, non pas qu'on copie sur nos auteurs, mais moi il m'est arrivé là pour la dernière anthologie que j'ai dirigée, Dessine-moi un mouton, je ne sais pas si on la voit, chez Nutty Sheep. Moi parallèlement j'étais en train d'écrire ceci, La rose, la gourmette et le jardin d'algues, qui est une série de poèmes et quelques nouvelles sur le Petit Prince, sur la mort de Saint-Ex et sur l'aéropostale. Et de faire travailler, alors là, celui-là,
L'anthologie chez Naughty Sheep est uniquement sur le mouton de Saint-Aix, mais d'autres moutons aussi, il y a Sean le mouton, il y a, enfin, etc. Hippe le berger, enfin bon, il y a toutes sortes de variations d'écrivains sur le mouton. Mais moi, ça m'a permis, par exemple, de rajouter un poème, là, dans celui-là, qui n'était pas fini. Je me suis dit, tiens, au fond, sur complètement autre chose que le mouton, j'avais pas pensé à le mettre, je l'ai rajouté avant de donner à l'éditeur mon recueil. Donc voilà, ça fait ça un. Ça ne t'a pas compliqué la vie de faire les deux choses en même temps? Non, parce que non, franchement pas, parce que celui-là, c'était pratiquement déjà pris. Déjà prêt, pardon. Il y avait des textes que j'avais déjà publiés en isolé. Mes propres recueils, souvent, les textes sont publiés en isolé, en revue ou en poésie ou voilà. Non, c'était pas. Non, j'ai pas eu de soucis particuliers. Maintenant, peut-être qu'avec un autre, j'en aurais, hein. Mais voilà. C'était un cas particulier. Je sais pas si je recommande. En tant qu'anthologie, généralement, je propose des thèmes, c'est-à-dire par exemple j'ai dirigé un numéro spécial de la revue Galaxy sur, dommage que Pierre ne soit pas là pour le voir. Il la connaît bien. C'était sur l'environnement. Donc, puisque je travaille beaucoup sur ces thèmes-là, j'avais proposé de diriger là-dessus. J'ai aussi fait des anthologies, par exemple celle-ci sur le réchauffement climatique. Donc là, ça c'est moi qui vais choisir le thème. Et puis après, je vais discuter en tant que la plus directeur de collection avec différents auteurs. Par exemple, voilà, j'ai amené La Justice, qui est donc l'anthologie qui a été dirigée par Hélène. Et qui a une couverture magnifique. Voilà, par Quadraro, qui est je vais le mettre un peu. Ah ouais, ouais, qu'on la voit bien. Un graphiste d'origine irlandaise. Et là, on avait discuté avec Hélène, justement, savoir qu'est-ce qui l'intéressait. On était arrivé à ce thème de la justice demain, ailleurs, autrement, qui est quand même un sujet d'actualité, sachant que pour l'édition Arcuiris, l'idée, c'est quand même d'avoir des thèmes de société. Qui sont plus, qui peuvent être assez chargés, assez lourds, comme les thèmes sur l'environnement ou la justice. Et puis, il peut y avoir des thèmes un peu plus légers, comme par exemple Arnaud Pontier, qui a dirigé un numéro sur l'art de séduire, ou la prochaine anthologie, qui va être dirigée par Pierre Gévard, sur la gastronomie. Ah oui, il en avait parlé l'an dernier, hein. Voilà, Oui. Elle est en préparation, elle devrait sortir pour l'automne. Donc, en fait, c'est un dialogue avec les anthologistes pour essayer de trouver le bon thème. Oui, il faut que ça corresponde à la maison d'édition également, hein, bien sûr. Il est sûr que. Ouais. Moi, pour ce que j'ai fait, les deux dernières anthologies que j'ai faites. Eh bien, elles sont, je vous les montre aussi parce qu'en fait, elles ont correspondu à une fiction. Alors, montre un peu plus. Ouais, voilà. L'année dernière, le terme de Nice fiction était rouge. Et cette année, enfin, et l'année d'avant, c'était les civilisations. Donc, là, Chantal, moi qui ne mets pas d'illustration dedans, parce que j'aime bien les livres sans illustration. Mais j'aime bien aussi. Je me suis offert le luxe de faire mes propres couvertures. Mais je veux dire que sinon, si on propose, comme Arcuiris m'avait proposé de faire l'anthologie, m'a demandé quel thème j'aimais, ben, la justice, ça me plaisait beaucoup. Je me suis souvenue qu'a posteriori que j'avais fait les bourreaux en premier. Donc, je me suis dit que ça devait être effectivement un thème qui, à travers les années, m'était cher. Mais par exemple, quand j'ai fait les cités italiennes, c'était quelque chose que j'ai repris, qui était chez Rivière Blanche. C'était quelque chose que j'ai repris en cours de route. Et le thème me plaisait, tout simplement. Mm-hmm. Le thème me plaisait. Donc, je pense que moi, je n'ai pas trop de difficultés.
avec le thème de Nice-Fiction, je choisis le thème de Nice-Fiction, qui n'est pas toujours celui qui me plaisait le plus. Mais finalement, disons qu'il y a tellement d'auteurs qui vous proposent des nouvelles qu'elles peuvent être très intéressantes et vous donner une idée qu'on n'avait pas eue du tout au départ. Oui. Maintenant, je reconnais que cette année, il y en avait un petit peu moins que l'année dernière. Parce que le thème, je pense qu'en France, on a un état d'esprit trop, pas triste, mais trop désenchanté pour avoir bien envie de rêver à des nouvelles civilisations. Mais j'ai eu quand même pas mal de choses, quand même, que vous découvrirez que l'année prochaine. Oui, et puis l'inspiration sur les thèmes, je sais que nous on voit par exemple sur les appels à textes, puisqu'on est à plus d'une quinzaine d'anthologies publiées, on va de 50-60 textes pour les anthologies qui vont pas accrocher, même avec des thèmes qui nous paraissent pourtant très porteurs et très riches, jusqu'à 200 textes. Ouh là là. Et voilà. Et là. Bizarrement, on n'a pas vraiment, sauf des thèmes très très précis, par exemple, il y a une anthologie sur la dyslexie qui était coordonnée par Cécile Pégin. La dyslexie, on s'est dit, c'est un sujet technique, donc c'est normal. Mais elle était intéressante. Elle était intéressante, mais il y a d'autres thèmes qui étaient pourtant très riches et on a été surpris de voir, tiens, pour une fois, il n'y a pas beaucoup de textes proposés. C'est inattendu. Mais ça peut aussi, par exemple, correspondre à des périodes. C'est-à-dire qu'à certains moments, on nous a dit il y a trop d'appels à texte en même temps. Et les bons auteurs doivent choisir. Peut-être aussi. Oui, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé. Mais oui, effectivement, quelquefois, on a de la curiosité sur les thèmes qui sont choisis. Oui, et notamment une fois, ça nous est arrivé, on s'est retrouvé, on essaye d'avoir un ou deux thèmes d'appel à texte, on s'est retrouvé avec trois appels à texte en même temps, Dark Race, et là, il y a des gens qui nous disent, mais comment on va répondre à tout? Donc, bon, bien sûr, tous les auteurs ne répondent pas, parce qu'il y a une question de sensibilité aussi, mais la disponibilité du temps, alors là, je ne sais pas s'il va y avoir l'effet coronavirus qui va amener plus de nouvelles. J'ai été un petit peu surprise. Parmi les auteurs que je connais, beaucoup ont estimé qu'au contraire, ça ne leur avait pas donné envie d'écrire. Ah oui, alors, moi, pas du tout, moi. Oui. Alors que c'était, j'allais dire, une plage idéale pour travailler, enfin, chez soi, j'allais dire. Moi, je n'ai pas écrit une ligne pendant le confinement. Hein. C'est drôle, alors, hein, parce que... Est-ce que tu avais tout ton temps? Non, parce que je l'ai de toute façon le temps, hein, mais non, trop d'angoisse, d'anxiété, mon fils a été contaminé, hein, donc voilà. Donc, et il est loin. Donc voilà, il y avait de l'anxiété, il y avait différentes choses qui faisaient que j'avais pas la tête à ça, donc j'allais pas me forcer, pour rien. Ouais. Et toi, Yann? Ah ben moi, j'ai bien travaillé. J'avais un roman que j'avais laissé en plan il y a 3 ou 4 ans, à mi-chemin. Et donc, j'ai écrit la deuxième moitié. Mais c'était un roman très, très confiné et avec une sorte de pandémie. Donc, j'étais complètement dans l'ambiance. C'était sexe pour toi. Voilà, c'était... Moi, alors, donc, je finissais l'anthologie, donc je finissais la mise à jour, les derniers points de l'anthologie qui étaient prévus pour ce Nice-Fiction-ci. Donc, j'ai eu suffisamment de travail pour m'occuper. Mais moi, comme j'ai un jardin et qu'il faisait beau pendant le confinement, j'ai beaucoup regardé mes fleurs pousser, etc., le jardin, et réfléchi. J'ai pas écrit une ligne de fiction, mais j'ai beaucoup réfléchi, comme j'ai deux choses en route, deux romans différents, dont un roman par nouvelle, puisque j'écris des romans par nouvelle,
Donc j'ai beaucoup réfléchi dessus, ce que j'allais faire, comment j'allais continuer. C'est une période que j'ai de temps en temps. Je pense que beaucoup d'auteurs sont comme ça. On a des périodes où on écrit pas. Enfin bon, il y a des gens qui écrivent tous les jours. Moi, pas du tout. Quand j'ai pas envie, j'écris pas. Mais voilà, ça mature quelque part par derrière, même quand on est en train d'éplucher les pommes de terre ou de planter les tomates dans le jardin. Il y a une réflexion qui se fait. Et, tout le temps. Oui, oui, et qui va sortir après à un autre moment. Voilà. Tu envisages une autre anthologie là, à venir ? Pas pour l'instant, parce que ça m'a un peu. J'en ai fait beaucoup d'affilée là. C'était quand même au détriment justement de ma propre écriture. Donc comme là, je viens de sortir un polar et qu'un polar c'est long à concocter. Hein. Il y a toute l'histoire d'intrigue, etc., qui intervient. Donc je me suis dit, je fais un peu une pause pour l'instant pour les anthologies, sur les anthologies, en tant qu'anthologiste, mais bon, ça m'empêchera pas de participer à des anthologies comme nouvelliste, hein, ça. Oui, mais c'est pas pareil. Quand ça, on va être nouvelliste à vie, hein. Ouais. Ouais. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même minimum un an de travail, de diriger une anthologie. Moi, le pire, ça a été Dimension Moscou, à cause de la transcription et translittération, parce que même sur des très bons textes, j'ai eu énormément de corrections à faire liées au fait que certains, ne connaissant pas la langue, mélangeaient les mots. J'ai eu une gare de Laroslav au lieu de Yaroslav, et j'arrivais pas à faire comprendre à l'auteur que c'était un « ya » et pas un L et un A, et que en russe le son IA, enfin bon, bref, je vous passe les détails. Donc on passe avec certains auteurs beaucoup de temps, faut quand même le dire à un moment, beaucoup de temps sur des détails techniques. Il y en a qui se vexent. Bon, personne ne m'a pour l'instant ni menacé de mort, ni fait la tête à tout jamais, mais il y a des moments de tension quand même avec des auteurs, même des bons auteurs qu'on connaît bien, quand on n'est pas d'accord sur un point précis, c'est pas forcément évident, et c'est quand même l'anthologiste qui prend la responsabilité du tout, donc qui doit dire ce qui ne va pas, ou ce qui lui semble ne pas aller. Bon, c'est très rare, mais quand même, disons qu'à peu près sur chaque anthologie, j'ai eu une personne avec qui c'était un peu moins évident qu'avec les autres, où il suffisait de prendre le texte et de voilà, rectifier trois virgules, et c'était bon. Alors, je ne sais pas si vous avez pareil. Oui, si, si, je crois qu'il y a toujours, mais c'est une question de compromis, c'est-à-dire que quelque oui. part, à la fois en tant qu'anthologiste, on est responsable de l'ensemble, un peu comme un chef d'orchestre, donc c'est ça. Il faut pas qu'il y ait de fausses notes, mais il faut laisser parfois un peu les solistes. Donner un petit peu leur tonalité, et à certains moments, enfin, sauf vraiment s'il y a quelque chose d'incohérent ou qui vraiment sonne faux, et là enfin, moi je sais que je dis non, mais à certains moments, ça m'est arrivé, par exemple, des fins que je n'aurais pas vues comme ça, de finir par accepter la proposition d'un ou d'une auteur, parce que il y avait une cohérence, c'était pas forcément la progression ou la fin optimale que j'aurais vue si moi j'avais écrit le texte, mais comme c'est le texte de quelqu'un d'autre, il faut aussi arriver à trouver à accepter cette différence, le compromis qui peut faire aussi la richesse. Et aussi, alors là, c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup de modestie, c'est de voir les critiques. Puisque une des règles, je pense qu'on est tous pareils, c'est d'essayer de mettre une des meilleures nouvelles, si ce n'est la meilleure, en tête de recueil, puisque c'est un petit peu l'accroche. Et ça m'est arrivé plusieurs fois avec mes propres anthologies et des anthologies donc d'autres personnes qui ont coordonné dans le cadre de ma collection, de voir que les critiques n'allaient pas forcément du tout dans le sens des meilleures nouvelles, puisqu'il y en a toujours qu'on préfère. On va en dire, bon, il y en a 4-5, on les adore, il y en a 5, on les aime bien, et puis bon, quelques-unes qu'on a acceptées, peut-être elles étaient intéressantes, mais avec lesquelles on a un peu moins d'affinité, et les critiques peuvent avoir des avis complètement divergents. Et c'est arrivé même une fois, je me souviens, d'un recueil de nouvelles, on avait mis la première qui nous paraissait, c'était pas moi qui la dirigeais, donc, mais l'anthologiste et moi, on a été unanimes pour dire c'est la meilleure nouvelle.
Et la première critique qu'on a eue de ce recueil, c'était « Je ne comprends pas cette nouvelle, et qu'est-ce qu'elle fait là ?» Donc voilà, ah, donc oui, après évidemment. On s'est dit ben, « voilà, c'est la subjectivité du critique qui va apprécier ou pas. » Non, par contre, moi, ça n'est pas du tout forcément les nouvelles que je préfère. Ce que j'essaye d'obtenir, pas de mettre une nouvelle, la nouvelle que je trouve la moins bien en premier. Mais j'essaye en général de commencer par une bonne. T'as intérêt parce que tu m'en as mis en premier. J'essaye de commencer par une bonne, de finir par une bonne et d'en mettre une bonne au milieu. Voilà, c'est ça. Mais j'essaye aussi d'alterner les textes un peu longs et un peu courts pour laisser des respirations. Les choses plus graves et les choses plus humoristiques, ça, j'allais dire que c'est la partie la plus difficile de tout. De trier l'ordre dans lequel on va mettre, pour que le lecteur ait toujours son intérêt soutenu, qu'il ait des respirations, et aussi quelquefois des nouvelles qui se répondent les unes les autres. Je trouve que c'est très difficile, mais effectivement, ça n'est pas obligatoirement la meilleure que je mets en premier. Ça peut être une qui répond à une autre, ou une, mais toujours bonne, bien sûr, on va pas. Mais et je tâche de finir aussi toujours sur une bonne, parce que je pense qu'il faut rester sur une bonne impression. Mm-hmm. C'est une des choses. Enfin, c'est pas compliqué comme s'entendre sur un texte, encore que. Disons que quand on reçoit beaucoup de nouvelles et quand on en retient en gros une quinzaine, selon la longueur, de toute manière, je ne dépasserai jamais 20, et en général, au moins 15. Mais on en reçoit tellement qu'on a quand même beaucoup de choix. Il y a celles dont on est sûr qu'on les prendra parce qu'elles sont géniales, enfin qu'on les trouve géniales, celles qu'on est sûr qu'on ne prendra pas parce qu'on les trouve complètement nul, mais il y a une grande proportion de nouvelles qui sont trop différentes pour qu'on les compare et dont on a pas mal de peine à déterminer laquelle on va retenir. Mais quelquefois, j'ai reçu une fois sur les civilisations trois nouvelles qui tournaient autour du thème de Sumer. Elles étaient toutes les trois assez bonnes, sans être comparable. Je n'en ai pas gardé une, d'ailleurs, parce que justement, quelquefois, le tri est trop difficile. Mm-hmm. Je trouve que c'est important. Ah oui, Pierre est devenu. Ah, Pierre, oui. Il y a la subjectivité, je crois qu'il faut, en tant qu'anthologiste, on assume, voilà, quelque part, c'est ce côté chef d'orchestre, ce côté organisateur. Moi, ça m'arrive de dire à certains auteurs, ben voilà, j'ai pas accroché, elle est pas forcément, parce que il y a aussi ce rôle, tous les auteurs ne le font pas, mais il y a aussi le rôle de répondre à ceux qui ont été rejetés. Et ça, c'est quelque chose de très, très important de dire, ben voilà, pour telle ou telle raison, on l'a partenu. Alors, ça peut être aussi parce qu'il y a une redondance avec d'autres. Quand il y a deux ou trois nouvelles qui sont vraiment sur à peu près le même thème avec des approches similaires, on est obligé de faire un choix. Et puis, parfois, on va dire, ben voilà, la première, moi, je sais que ça m'est arrivé comme ça, la première moitié de la nouvelle, extraordinaire. J'ai emballé. Et après, la deuxième moitié, ça partait dans tous les sens. Et ben, non, et tellement que j'ai dit à l'auteur, je suis désolé, il y a trop à changer, je ne peux pas la garder. Et donc, j'ai expliqué, j'ai dit, bon, ben, après, vous en faites ce que vous voulez, mais le début, très bien, mais après, la deuxième moitié, ça partait vraiment dans toutes les directions. Oui, c'est acceptable. Après tout, oui, c'est nous qui dirigeons l'anthologie, si elle n'est pas acceptable, mais ça ne veut pas dire qu'effectivement on refuse des textes qui sont forcément mauvais. Un texte refusé, je me souviens d'une jeune femme qui m'avait fait une nouvelle, que j'ai refusée, et qui m'a dit, mais c'est un échec. Mais en fait, non,
il ne manquait pas grand-chose pour qu'elle soit bonne. Et je lui ai dit, ce n'est pas un échec, c'est une expérience et peut-être qu'elle aurait été acceptée par un autre anthologiste. Il manquait presque rien et c'était une très bonne nouvelle quand même. C'est pas, y a pas, je pense qu'il n'y a pas de jugement dans l'anthologiste. Il faut comprendre que l'anthologiste fait selon son goût et ça n'est pas des valeurs absolues. Oui, bien sûr. Je pense que les gens, et c'est pourquoi quand je fais des refus, j'essaye de jamais être décourageante, parce que je sais qu'il y a des gens qui me découragent pour un refus, alors qu'un refus, c'est juste un moment donné, ou parce qu'il y en a eu d'autres qui étaient meilleurs. La seule chose, pardon, la seule chose, Hélène, c'est que quand le sujet est très pointu, l'auteur qui n'est pas pris, il a du mal à proposer son anthologie ailleurs parce que les autres appels à texte étant très différents, il arrivera difficilement à en faire quelque chose. Tu vois ? Ah, oui, mais enfin, je veux dire que ça, ce sont les gens qui, effectivement, on voit à chaque anthologie, enfin, je suppose que pour vous, ça a été pareil, on voit à chaque anthologie des gens qui proposent un texte dont on sent qu'au fond, c'est qu'il a été refusé ailleurs, parce qu'au fond, il correspond au thème, mais oui, de tellement loin que ça ne compte pas. Oui, il y a dire, voilà, c'est, le recyclage. On reconnaît, et d'ailleurs, on voit parfois, on reçoit dès le lendemain ou juste quelques jours après le lancement de l'appel à texte, on reçoit des nouvelles. On se doute bien que dans ces cas-là… En trois jours, oui. Voilà, c'est un texte qui était sur le disque dur, qui avait peut-être été écrit spontanément et qui s'avère correspondre au thème. Oui. Bref, aussi, on voit bien dans de nombreux cas des textes qui ont vraisemblablement été écrits pour d'autres appels et qui ont été refusés, mais qui peuvent être bons. Et moi, je reconnais humblement en tant que novelliste, j'ai des nouvelles comme ça que j'ai écrites pour des appels à texte qui n'ont pas été pris pour l'appel auquel je les destinais et qui ont été pris avec enthousiasme après par d'autres revues ou d'autres anthologistes. Donc c'est là où on retrouve bien la subjectivité, le fait que ce n'est pas forcément un mauvais texte, mais c'est un texte qui n'a pas plu à quelqu'un. Tout à fait, ou qui a été moins bon que d'autres que l'anthologiste a reçu, tout simplement. Quoi. C'est un petit peu, j'allais dire, comme un concours. Oui, absolument. Il y a ce côté concours, c'est très juste. Oui. Ce n'est jamais définitif. Un mauvais avis, j'ai lu une nouvelle, par exemple, qui était très bonne, que j'ai refusée, parce qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas, mais je sais qu'elle a été prise ailleurs, et elle méritait d'être prise, mais j'allais dire, pas par moi. Quand je fais une anthologie, comme je dis souvent, je peux la mettre entre toutes mains. Donc, il y a des textes que j'évite. Bon, effectivement, les auteurs qui travaillent, qui me font souvent des réponses, ben, savent qu'il y a des choses. Le gore, par exemple, ça ne passera jamais. Mais c'est effectivement, c'est le jeu, quoi. Mais j'écris par contre rarement, moi, pour des appels à texte. Ou alors il faut qu'il m'inspire, mais c'est très, très, très rare. L'écriture forcée, j'y arrive pas. Mais sur le gore, par exemple, moi, ça m'arrive. J'aime pas trop le gore personnellement. Et j'en ai publié, j'ai publié juste une nouvelle. Ben, c'était dans la première anthologie, d'ailleurs, les maladies du futur. Une nouvelle d'Olivier Carousseau, qui est un auteur que j'aime bien et qui était vraiment très dur, très noir, très gore. Mais j'ai dit, elle est magnifique. Donc, je l'ai gardée quand même. Et de fait, dans un certain nombre de critiques, j'ai lu « On ne parlera pas de cette nouvelle parce qu'elle est horrible. » Mais il y avait une beauté si elle est très bonne, voilà, qui faisait que le gore n'était pas gratuit et que c'était vraiment… Il y avait une poésie de la… Voilà. Je parle de façon générale aussi. Il peut y avoir des textes. Il peut y avoir des textes qui sont très durs, oui, mais très intéressants. On a perdu tout à fait Pierre. Oui, on a perdu Pierre. C'est dommage. Pierre est tombé dans les limbes. C'est dommage.
C'est dommage parce que bon. En tout cas, pour revenir à notre rôle d'anthologiste, moi je trouve qu'il y a un côté gratifiant, qu'on ne sait pas à l'avance évidemment, lorsque un auteur à qui on a donné pour la première fois, quelquefois, sa chance de démarrer, de se faire connaître au milieu d'autres un peu plus prestigieux, plus connus et avec une plume plus aguerrie, continue et après, voilà, font leur petit chemin et reviennent nous dire deux, trois ans après, sur un salon, un festival, merci, c'est grâce à vous. Alors, on le fait pas pour ça, mais évidemment, d'autant qu'on sait pas à l'avance si les gens vont continuer ou pas. Mais voilà, ça fait plaisir. Il y a quand même ce côté gratifiant dans le travail d'anthologiste qui n'est pas à négliger, même si on le fait pas pour ça. Hein. Enfin, on pourrait pas d'ailleurs. Non, on pourrait pas choisir. Non, mais d'autant qu'on peut pas savoir à l'avance. Hein, voilà, quels sont ceux qui vont plaire, qui vont continuer, qui vont plaire au public, etc. Donc. Je trouve que c'est une partie passionnante de prendre le risque de faire confiance à quelqu'un de, on va dire, inconnu, même si dans certains cas ils ont déjà publié un petit peu, et puis de voir qu'après, ben voilà, la personne continue, fait son petit bonhomme de chemin. C'est vrai que on a dans de nombreuses anthologies qu'on a publiées des primo écrivains, des personnes dont c'est le premier texte. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir de dire. Et parfois, d'ailleurs, ils sont tout intimidés puisqu'ils peuvent se retrouver avec leurs nouvelles à côté d'auteurs comme Jean-Pierre Ambrevon qui vont être considérés comme, et légitimement comme des sommités. Et voilà. Et simplement, bah, parce que le texte va être bien, on va le publier à côté d'auteurs très, très confirmés. Et voilà, c'est aussi le rôle justement des anthologies. Voilà, de découvrir des nouveaux talents. De permettre de découvrir et de permettre à des personnes qui ont envie d'écrire de s'exprimer et d'être lues, parce que c'est pas forcément facile non plus. Il y a parfois, on dit en riant qu'il y a plus d'écrivains que de lecteurs. Enfin, pas dans la nouvelle quand même. Non, la nouvelle, c'est vraiment très spécial. C'est pointu, la nouvelle. Hein. Il faut déjà avoir une belle plume. Mais il n'y a pas. Plus c'est court, plus c'est dur. Oui. Voilà. C'est peut-être un peu plus facile de se faire publier quand même que dans les romans, parce que pour qu'un éditeur prenne un risque sur un auteur complètement inconnu, sur un premier roman, c'est vrai. Vraiment. Alors que dans un recueil de nouvelles, ou dans un numéro de revue, un peu thématique, ça permet de faire ses premières armes ou de publier des textes. Oui, ça permet. C'est pas évident d'écrire. D'un coup, quelque chose. Et puis, malgré tout, la nouvelle, c'est pas du tout pareil. Ce que je trouve un peu regrettable, c'est qu'à une époque où tout le monde veut du court, où on lit en vitesse, où on lit dans les transports, les gens aiment le court. Et la nouvelle et les anthologies sont très peu commercialisées. C'est un parti pris que je ne comprends pas très bien. Parce que les nouvelles, on peut la lire n'importe quand, n'importe où, quitte à ne pas en lire pendant un petit moment après si une nouvelle a été trop, vous a marqué trop. Mais c'est quelque chose que je ne comprends pas. Que la nouvelle ne soit pas. Pour moi, c'est un genre vraiment à part et excellent. Alors, des retours que j'ai eus de certains libraires, c'est que c'est l'inégalité. C'est ce qu'on nous dit, oui. C'est de dire, ben voilà, vous avez 15 textes, mais si ça se trouve, il n'y en a que 4 ou 5 de bons. Et donc, on n'a pas, enfin, le lecteur n'a pas forcément envie, ou alors le libraire n'a pas envie de mettre sur son étal un livre qui sera seulement bon pour un tiers. Alors, c'est ce que j'ai entendu. Bon,
En toute fausse modestie. Oui, je comprends tout à fait. Une des qualités qu'on nous dit pour les anthologies aphoristes, on nous dit toutes vos nouvelles sont bonnes. Il y en a qui plaisent ou qui plaisent pas, mais c'est vrai que on n'a jamais publié de mauvais textes. Mmh. Après, ils peuvent être différents, plaire ou pas plaire, mais on a une exigence en disant il n'y aura pas d'histoire incohérente et il n'y aura pas d'histoire mal écrite. Après, tout à fait, ça c'est une exigence qu'on doit avoir. Mais j'allais dire, on l'a. Mais tous même les éditeurs ne l'ont pas forcément non plus. Pour soi-même. Moi j'avoue que faire sortir une anthologie où j'estimerais pas qu'un des textes, par exemple, même un seul, n'est pas lisible, non. Non. Je veux dire que c'est une éthique de l'anthologie à ce moment-là. Mais de la part des libraires, c'est ça qui m'étonne, parce que, convenons-en, dans d'autres genres que les anthologies, on va dire qu'il y a des telles daubes qui sont vendues que. Ah oui, mais c'est du facile. Reprocher une nouvelle non mauvaise qu'on n'aime pas, du moins, dans une anthologie, ça me paraît facile. Oui. Les bibliothèques aussi souvent disent oh là là les anthologies on a du mal, les gens les lisent pas, etc. Ils ont du mal à les valoriser dans leur service et ils disent ah oui mais il y a tellement d'auteurs. Alors moi je dis à chaque fois que j'entends ça, mais justement c'est une occasion de découvrir différentes plumes, de pouvoir ensuite le lecteur peut ensuite aller lire tel auteur ou tel autre, ce qu'il a fait comme œuvre par ailleurs, c'est une fenêtre, c'est une vitrine quelque part sur le style et l'œuvre de différents auteurs, mais ça passe quand même difficilement ce discours-là, alors que je suis persuadée que c'est le bon. Moi aussi, je pense que c'est une culture, enfin, que c'est plutôt un phénomène culturel. Mais là, il y a peut-être aussi justement une paresse, et moi je sais que je le vois souvent d'ailleurs quand on voit très rarement, trop rarement, mais ça arrive de temps en temps, des magazines qui font des numéros sur la science-fiction, et on voit qu'ils vont parler des 3-4 mêmes auteurs. Dont tout le monde parle, oui. Dont tout le monde parle, alors beaucoup d'anglo-saxons et un ou deux français, toujours les mêmes. Et quand je sais que nous, par exemple, on a dû publier 250 auteurs. Ah, je ne dis pas qu'ils sont tous géniaux, mais sur les 250, il y en a au moins une cinquantaine qui sont de premier calibre, vraiment des vrais auteurs avec un style, avec une imagination. Et on n'en parle pas. Enfin, la plupart des magazines ne vont pas en parler parce que ils vont prendre la poignée de célébrités. Et donc là, il y a une paresse sans doute, une méconnaissance ou un manque de curiosité. Tout à fait. Alors que justement, en tant qu'anthologiste, moi, c'est quelque chose que j'adore, c'est-à-dire de découvrir une nouvelle plume, de c'est voir d'un auteur que j'ai pas lu, que c'est peut-être pas la première fois qu'il a publié, parce qu'il peut avoir placé des nouvelles dans d'autres anthologies ou dans des revues, mais la première fois que je vois, elle dit, ah ben voilà, tiens, cette personne-là, je la connaissais pas et je suis vraiment ravi de découvrir une nouvelle écriture. Tout à fait, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Mais bon, ça va être, on va dire que puisque c'est comme ça, c'est un plaisir de connexion. Et nous en faisons partie. Hélène, est-ce que tu peux déjà nous révéler le thème de la prochaine anthologie Nice Fiction ? Eh bien, c'est le thème de Nice Fiction. C'est-à-dire cette année, c'était Terre 2.0. Oui. Et la prochaine ? Il est possible que ce soit Terre 2.1, mais c'est quand même le reboot qui est la base. C'est vraiment, on recommence, tout a été détruit, on recommence. C'est ce qui me paraissait intéressant, c'est pourquoi je croyais que j'aurais beaucoup, beaucoup plus de réponses que je n'en ai eu. J'en ai eu largement, mais je veux dire, je croyais que j'aurais plus, parce que ça paraît intéressant de savoir comment on va reconstruire. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je crois que les gens sont, enfin, du moins les Français, sont apparemment trop déprimés. Pour nous ouvrir,
pour s'ouvrir à l'avenir. Je veux dire que quand on est au bord du précipice, on a le choix, ou on tombe, ou on ouvre les ailes pour voler. Et il n'y en avait pas beaucoup qui avaient envie de voler. Mais c'est le thème de cette année. Après, ça sera sans doute d'autres thèmes. Mais enfin, c'est vrai que maintenant, je me suis habituée à faire ces anthologies-là. Par contre, la couverture sera très jolie, puisqu'elle sera due à Guillaume Tavernier, notre invité d'honneur de cette année, même, et qu'il restera l'année prochaine, parce que franchement, à voir, je ne sais pas si vous avez vu ça, si vous êtes allé voir son exposition, il fait des choses géniales. Moi, ça me plaît beaucoup. Mais moi, je n'ai pas tellement plus à dire sur ce que je fais dans ma partie anthologie. Et j'aimerais que vous en parliez un peu plus vous-même, peut-être de façon plus approfondie. Oui, bah nous, on a plusieurs. Enfin bon, moi c'est vrai que j'ai fini ma 6e anthologie. Je crois que je vais laisser un peu de côté, comme on disait tout voilà, à l'heure. Pareil. Parce que j'ai envie d'avoir une écriture personnelle aussi en même temps. Et de fait, il y a un côté sacrifice, hein, il faut reconnaître. Oui, oui. On se met au service des autres, mais c'est au détriment du temps qu'on peut consacrer à sa propre écriture. Donc c'est très enrichissant, c'est très plaisant, mais un peu frustrant par d'autres côtés. Et en revanche, là, on a plusieurs anthologies en cours, et là, je suis ravi, donc, notamment, comme disait Pierre Gévart, pour la gastronomie. On a une anthologie sur nature et biodiversité avec Mathilde Chaud. Une anthologie avec Émilie Chevalier-Moreux sur l'art dans les villes du futur. Et puis, et donc une anthologie avec Éric Lusseux sur les religions du futur et d'ailleurs, donc des thèmes. Et surtout encore, alors s'il y a des écrivains qui écoutent, un appel en cours jusqu'au 26 juillet, donc il y a encore un mois et demi, sur Clones et Chimères. Qui est donc dirigé par Andréa Delac, qui est une des animatrices de la revue Éterval, qui publie aussi, qui est spécialisée dans les nouvelles, très, très bonne revue. Et donc, j'espère qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de nouvelles pour cet appel Clones et Chimères, parce que c'est un thème très intéressant. Et donc, Andréa Delac a déjà dirigé pour nous une anthologie sur le transhumain et post-humain. Donc, comme elle est médecin, elle a une fibre à la fois d'écrivaine et scientifique, ce qui fait double qualité très très appréciable dans notre milieu. Oui, c'est vraiment la science-fiction. Voilà, c'est pouvoir vraiment allier une science sérieuse mais avec la beauté de l'écriture en même temps. Ah, ça compte. C'est ce que je vous disais, moi, le style compte beaucoup pour moi dans les nouvelles qui sont faites. Enfin, pas forcément le style littéraire, mais la poésie qui dégage d'un texte. Je sais qu'une fois, j'ai accepté un texte qui était un petit peu limite, à la rigueur, mais parce que la poésie parle. Je veux dire, c'est moins, à ce moment-là, c'est moins une question d'histoire ou de thème que quelque chose qui parle. J'allais dire, j'ose pas dire, mais je le dis quand même, à l'âme, non pas au sens où on entend religieusement, mais à quelque chose qui est intérieur, je veux dire. Qui fait appel, j'allais dire, plutôt aux sentiments, aux impressions. Et j'accepte aussi toujours un texte très poétique. Je l'accepterai, même s'il est un petit peu en limite. Tout en étant dans le thème, quand même. Et puis l'humour, je crois qu'il faut aussi... Et c'est vrai que ça, c'est une qualité... Je vais dire que j'ai reçu une nouvelle, je ne la spoilerai pas, j'ai reçu une nouvelle pour cette anthologie. Parmi les premières que j'ai reçues,
L'humour, son humour m'a enchantée. Alors, je ne sais pas s'il m'a enchantée parce que le sens de l'humour, c'est tellement personnel, mais moi, ça m'a enchantée. Et nous, moi, c'était une de mes grandes découvertes. Là, on a la chance de travailler avec Philippe Casas, qui est un illustrateur très, très connu, et qui nous a envoyé pour les dernières anthologies des nouvelles. Et alors, Philippe Casas, c'était une grande découverte pour moi, parce que je le connaissais pour toutes ses BD, ses dessins animés. Pas du tout un nouveliste? Pas du tout un nouveliste? Ben, je dis, non, il s'est mis très tard. Ça Il s'est fait mis très juste tard, mais il écrit de un ou façon deux très ans. amusante. Il écrit, c'est très amusant, avec une écriture magnifique. Non, c'est vraiment un auteur que j'ai découvert, là, pour le coup, avec un C'est immense très, très plaisir. amusant. Oui, il est très amusant. Moi, je sais que oui aussi. Casa, on peut publier vraiment s'amusant. C'est pas. Là, je sais que j'avais eu dans Civilisation, j'ai eu un texte un petit peu plus long que je ne les admets normalement, mais bon, un texte d'André Vaughan qui était parfait. C'était quand je l'ai lu, je me suis dit oui, c'est pour ça que j'étais tellement passionnée de la science-fiction depuis que je suis jeune. Oui, Mais alors ça, c'est vrai que effectivement. la longueur peut être aussi un souci puisque c'est une des contraintes. Moi, je sais que je suis plutôt romancier dans l'âme et j'ai commencé par écrire des romans, enfin, en tout cas, par en publier avant d'écrire des nouvelles, enfin, à part les nouvelles Oui, tu de écris très, long. très jeunes. Et c'est vrai que la nouvelle peut être un peu frustrante par rapport à ça, parce qu'on n'a pas le temps ou pas la place d'approfondir vraiment les personnages et les ambiances. Donc ça demande des qualités C'est différentes. difficile. C'est En autre fait, chose, oui, c'est autre c'est chose. totalement autre. Je ne sais pas, enfin, il y a des gens qui peuvent écrire les deux, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans un ou dans l'autre parce que ça demande des qualités tellement différentes. C'est tout à fait autre chose, oui. Il y a rien. Moi, je sais que de ma vie, je n'écrirai jamais d'autres. Je peux, même si elle est déjà bien avancée, mais je peux dire que même au futur, je n'écrirai jamais de roman. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Dans une nouvelle, on est forcé d'aller à l'essentiel. Donc, il faut qu'elle soit pointue ou poétique, mais. Oui, c'est ça l'avantage des anthologies, c'est qu'on découvre justement plein d'idées et que les gens sont, je veux dire, ils arrivent à mettre tout un univers dans presque rien. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Un roman, ça demande un autre développement parce que ça n'a pas le même but. Je ne peux pas dire qu'une nouvelle soit comme une morale. Mais une nouvelle, ça transmet vraiment une pensée qui parle ou non au lecteur. Tandis qu'un roman, ça donne une histoire. Et une histoire complète, je trouve qu'on ne peut pas comparer. Non, on ne peut pas comparer. On ne peut pas Même dans le comparer. souffle, ce n'est pas le même souffle. Ce n'est pas du tout, moi je suis très musique, ce n'est pas du tout le même souffle dans la nouvelle. Il faut être rapide, il faut être incisif, il faut être non seulement court, mais chaque mot compte, enfin, chaque virgule pour 5 minutes. Alors que dans le roman, on peut plus décrire les vêtements d'un personnage, le paysage, le temps qu'il fait, ce que la personne est en train de manger. On peut pas délayer. Ça veut pas dire que le roman ne fait que délayer, mais dans une nouvelle, on peut rien délayer. Tout Ah doit bon. être Tout doit être. vraiment percutant, et c'est ce qui fait la difficulté et la beauté de la nouvelle, hein. Et le fait aussi que lire des nouvelles, c'est aussi un public déjà un peu particulier qui, voilà, qui aime à la fois le court, mais fouiller Fouillez dans, où? voilà, fouiller dans quelque chose de voilà, où certaines choses sont imperceptibles parce qu'elles sont juste suggérées. Et C'est donc, juste la imaginer. part du lecteur, je trouve, hein, je peux me tromper, est plus forte dans la nouvelle que dans le roman où, voilà, on suit l'histoire, on suit les Pas personnages, on suit forcément. l'intrigue. Pas forcément, mais enfin, globalement, hein, là, je caricature beaucoup. Dans la nouvelle, quelquefois, on vous dit même pas, je pense aux nouvelles d'Annie Saumont dans un autre genre.
qui sont magnifiques, où certaines choses sont tellement suggérées qu'on se dit, est-ce que j'ai bien compris? On est obligé de relire. On est obligé de relire parce qu'il y a eu un crime par derrière et rien n'est dit. Et on se dit, ça peut pas être autre chose, mais j'ai peut-être mal compris, enfin, etc. Et c'est ça qui fait qu'une nouvelle peut être extrêmement intrigante, passionnante, qu'on a envie de la relire, ou au contraire de la mettre de côté, parce que zut, celle-là, on n'a rien compris, ça ne nous a pas plu. Mais voilà, il se passe quelque chose entre le lecteur de nouvelle et la nouvelle, qui est tout à fait différent de le même lecteur avec un roman, y compris du même nouvelliste qui écrira un roman. Je pense que Yann... On a beaucoup à dire, mais on va devoir conclure. Encore un jour, une minute. Je crois que la meilleure phrase qu'on m'ait dite sur une nouvelle, c'est on peut... C'est plus difficile de dire beaucoup en peu de mots que de dire pas grand-chose en beaucoup de mots. Je pense que c'est... La meilleure définition que j'ai eue de la nouvelle. La meilleure définition que j'ai eue de la nouvelle. Et voilà. Et s'il y a plein de questions, j'en doute peut-être. Il y aura plein de réponses. Il y aura plein de réponses. Suivez-nous sur Discord. On les voit pas, les questions, nous. Non, mais là, il n'y en a pas eu. Je crois qu'on a été tellement bavards. Voilà. Ils n'ont pas osé. Voilà. Ou ils n'aiment pas la nouvelle, donc ils n'ont pas regardé. C'est possible aussi, mais tant pis pour eux. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie tous les deux. Merci. Je remercie toi, Pierre, toi. Qui a fait un gros effort sans qu'il soit suivi de succès. Et je remercie les gens qui nous ont suivis, s'ils nous ont suivis. Et j'espère qu'ils auront été intéressés à ce moment-là. Et on continue demain avec d'autres conférences et d'autres tables rondes. Oui, ah, absolument. Bien sûr. On n'est pas fini. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.